On se retrouve pour une petite vidéo sur un jeu que je n'ai pratiquement pas fait. Que je n'ai pratiquement jamais fait d'ailleurs. On a fait le premier en live, je vous rappelle. On a fait The Escapist en live. Et là, on est sur la suite de The Escapist qui est The Escapist The Walking Dead. Donc, The Walking Dead, vous connaissez, je pense, c'est une série. Je sais plus. Je sais plus quel studio c'est. Je pense pas que ce soit Netflix. Mais bref. Et donc ils ont fait un partenariat entre The Walking Dead et The Escapist pour créer un jeu The Escapist The Walking Dead. Voilà. Donc juste avant, ouais, c'est bon, ok. Et bien écoutez les amis, on va commencer. Donc ça c'est, c'est différent du gameplay de The Escapist qu'on a fait en live. Là on va devoir s'échapper. Vous allez voir en fait, vous allez voir. Le jeu est en anglais parce qu'il est en version craquée. J'ai pas réussi à le trouver en français. Donc bon, c'est pas grave. On va quand même faire New Game. C'est parti. Alors, out of town, police, député, donc le shérif c'est Rick, c'est celui qu'on contrôle dans le jeu, c'est le personnage principal de la série. Donc moi je vais jouer à la manette, ça va être beaucoup mieux de jouer à la manette qu'au clavier, puisque vu que j'ai une version américaine, je ne peux pas changer les contrôles du jeu, et si jamais je dois jouer en WSD, ce qui n'est pas ma config normale. La musique est trop bien. Bon, j'ai déjà fait, hein, le niveau de tutoriel j'ai déjà fait. Using a WSD. Non, c'est pas. Voilà. Nice. Il a reconnu que je joue à la manette. Alors, LS. Ouais, c'est une manette de. Là, on joue avec une manette de Xbox. Donc là, on a pris les habits. Ok, on est habillé. On va pouvoir sortir. Là. Il y a quelqu'un? Anybody? La musique est trop bien. Opening, ouverture. Ça c'est un pillowcase. C'est un composant apparemment. Est-ce que quelqu'un a juste décidé de... J'ai pas compris la suite. Ça c'est Day Gone By. Donc le jour où tout a disparu, le jour où on a dit au revoir, où ça a disparu, volume 1. Yes, I found volume 1, Dagon, je sais pas quoi. Donc c'est le tuto pour le moment. Hein. Soap, ok. Ah attends, on change de... Ouais, nice, on change comme ça de... Avec L1 L2. Là c'est pour les waypoints. Ok. Donc X c'est la melee attaque. Attaque de melee. Non, X du coup. J'ai tendance à confondre vu que là on est comme si on est. Je suis avec ma manette de PS3, mais c'est comme si j'étais avec ma manette de Xbox 360. Donc faut que je fasse attention. Much safer. I had weapon. Weapon. Attends, ouais. Ah, attends. D'accord, faut crafter, tac. Donc ça, c'est un market shift coche. Et il y a quelques bugs, hein, d'ailleurs. Hein. J'ai quelques bugs, putain.
Équipe Waypoint. Et ben voilà. Non, c'est pas équipé là. En même temps, c'est en anglais. Qu'est-ce que tu veux que je comprenne en anglais, moi? Ouais, bah c'est bon. Voilà. C'est au clavier que j'ai fait, du coup. Oh, on a passé combien de temps là-dessus? C'est comme une bande dessinée, c'est trop bien foutu, je trouve. Mais la musique, elle est tellement super bien foutue. LB de bouton, ok. Pourquoi ça bug? Ça c'est quoi là? Fil. Ok. Non, ouais. Il y a rien là-dedans, j'imagine. Non. Et du coup, faut prendre X. Et le poser là. Voilà. Donc Y maintenant. Mais ça fonctionne pas du coup. Non. Mais attends, Y. E. C. Ouais. 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 Donc, ça crée une shield. Ok. RB. X. A. Ok. Et ça bug quand même un peu hein. Pas pourquoi, je sais pas pourquoi il bug le jeu. Enfin, en même temps, c'est logique, tout à l'heure je l'ai fait. Genre j'ai fait une connerie, tout à l'heure je l'ai fait charger je fais charger mon ordinateur et je l'ai pas redémarré parce qu'il a fait le con et tout, c'était relou. Mais est-ce que c'est les musiques du film ça en fait ou pas? Je crois que oui, c'est les musiques du film. Réussi à se casser du coup. Oh, il y a un gun. Oh, nice. Vas-y, X. Ok, d'accord. Fire gun. Draw gun. Ok, on tire comme ça. LT. Nice. On va tirer dessus. C'est bien mieux que jouer à la manette qu'au clavier, je trouve. Hein. On a terminé le tuto là. Oh, fuck. Fuck yeah. Ça fait plaisir. Après la de leur Rick Confuse and Scarlet Trug Trugeon. Or je tiens à dire que je n'ai jamais vu The Walking Dead, je ne connais rien de la série, je sais juste que c'est des zombies. Que c'est super bien foutu, qui paraît que voilà, mais sinon j'ai jamais vu. Après la rencontre étrange avec les invités, Rick au camp. Ok. Du coup là on va passer aux premières missions. Donc qui est Green Family Farm. On va donc faire un nouveau jeu, new game du coup.
traduis pas parce que je sais pas. Enfin, j'essaie de traduire, mais si genre je traduis, j'ai pas le temps de lire. Enfin, bref. C'est bien foutu en tout cas. Voilà, je connais un petit peu, mais pas trop. Je sais qu'on peut recruter du monde pour qu'ils viennent avec nous en mission pour aller flinguer des zombies. Parce que le but c'est de s'échapper de l'endroit où on est. Mais comme dans la série en fait. Rick, I hope. Mon espoir de. Ok. Bon, j'essaie de trouver une version française du jeu un jour. Hein. Parce que là, franchement, en anglais, ça fait deux. Ça fait pas beaucoup. Hein. Bref. Donc, bah, comme dans le premier, hein, y a tous les trucs. Il y a le taf. Il y a. Voilà. Sachant que c'est pas une prison là, ici. C'est pas du tout une prison. C'est vraiment, on doit. Nous, on est un peu le chef du groupe, comme dans la série en fait. Et on doit les briefer pour pas qu'ils stressent, pas qu'ils s'échappent. Enfin, pas qu'ils s'échappent, non, mais pour pas genre qu'ils se butent ou qu'ils aillent n'importe où en fait. Voilà. Les musiques, elles sont super, hein. Moi, je les connais un petit peu. Là par exemple on va pouvoir aller manger. Ah c'est X, ok c'est X. Nice. On s'assoit. Vous allez voir un petit peu la mécanique du jeu et là ça. D'ailleurs ce n'est pas let's play hein, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Et Escapiste 2 je ne peux pas le filmer donc du coup c'est pas grave. Ouais, Escapiste 2 j'arrive pas à le record. À chaque fois j'ai des problèmes donc voilà. Mais là c'est pas un let's play, c'est juste pour vous montrer à quoi le jeu ressemble en fait. Donc là c'est morning, donc du coup c'est un temps libre. Du coup en fait on peut leur parler. Alors attends. Merde, je l'ai tapé. Normalement, on peut leur parler. Amène-toi là. Nice. Donc, normalement, on peut lui donner les armes. Voilà, pour l'instant, on va rien lui donner. On va aller fouiller les bureaux. Par exemple, on va prendre une perceuse là. Electric Screwdriver. Là, c'est une sword, on va prendre, tiens. Ouais, un tournevis là. Rock. Par exemple, vous voyez, on peut fouiller les bureaux comme dans le premier. On va prendre ça. Ça, c'est les armes. Ça, c'est toutes des armes qui peuvent être utiles. Il y a un peu de biche là. Crowbar. Ou une baraclou si vous préférez. Comme disent les Québécois, parce que les Québécois ils disent pas ils disent baraclou, ils disent pas pied de biche. On va prendre le briquet. Et normalement on peut aller donner des armes à différentes personnes. Donc là par exemple, attendez, ça équipe. Voilà. Ok, on va du coup aller récupérer. Non, pas le combien d'autres armes qui étaient. Attends, il y a encore un coffre à fouiller là. Ah, le temps n'avance pas. Ok. Donc on va prendre ça. Je sais pas ce que c'est. Donc là, du coup, c'est Logi Position Group Task. Donc la tâche de position de groupement à la laverie.
si c'est une traduction que je puis faire. Bien entendu. Ok. Donc du coup, on va prendre... merde. Ah merde. Comment on fait pour lâcher? Ok. Comme dans le premier d'ailleurs. Hein. Tac. Ensuite. Hop. Nice. Maintenant, on va récupérer tous nos trucs. Non, récupère les. Ah, mais. Ah, ils sont chiants ces trucs là, les bugs. Donc, par exemple, je vais vous montrer, normalement, on peut donner des armes aux. Non. Ramasse fort ça. Alors normalement, si je me trompe pas, imaginons on va aller vers elle. Je crois que c'est Y pour interagir. Ouais, c'est ça. Par exemple, pour lui donner ça. E pour elle. Non. Comment on fait? Imaginons je vais lui donner ça. Donc je sais plus comment on fait. C'est pas grave. Ok là c'est quoi? Afternoon. Ça me semble que c'est une des musiques du film. Ah oui aussi certaines personnes veulent nous voir. Donc là par exemple vous voyez il y a une tête avec la flèche. Ça veut dire que cette personne veut nous voir. Vous nous demandez quelque chose. Je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qu'il veut? Il a besoin d'une opération maintenant, Rick. Et du coup, il y a des missions. Donc là, par exemple, on va devoir aller chercher des ciseaux, apparemment. Donc, dans la cabane qui est juste ici. Tac, on va poser ça, on va prendre ça, voilà, ensuite faut aller là-bas, vers la flèche. Si vous voulez un let's play, je vous conseille le let's play de Full Jumper, donc excellent youtubeur au passage, moi j'aime beaucoup ce youtubeur. Je vous conseille ce let's play, il a fait un let's play du 1, du 2, du 3, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on peut lâcher de ça? Bandage. Donc, il a fait let's play du 1, du 2 et de The Walking Dead. Et c'est plutôt bien foutu, je vous mens pas. Non. Ramasse ça. Bouge. Non. S'en fout de ça. Nice. Ouvre le bureau. On fout de ça là. Hein. Et ensuite, faut aller où? Je crois qu'on a terminé. On a tous les items qu'il nous faut. Sauf s'il faut faire un crafting, mais je pense pas. Ah, mais putain!
bug là. Faut aller où, je comprends pas. Et donc d'accord. Et donc mais non, c'est les crafting que je veux, ta race. Voilà, nice, on a crafté le truc. Y, puis lui son truc, voilà. Puis lui ça, voilà. Un survivor, ok, on a sauvé quelqu'un. Machin. Et si je clique sur A vers lui, il se passe quoi? Ah, faut retourner le voir, l'autre. D'accord, je sais pas exactement ce que j'ai fait, mais c'est pas grave. Il faut cliquer sur B, je suis sur lui. Mais je l'ai recruté en fait quand j'ai cliqué sur B. Attends, alors attends, mec, il vient ici. J'ai fait énorme normalement. Voilà, normalement c'est comme ça qu'on fait. Dead one. Dead one is on. Causing is trouble. Donc c'est la cause de nos troubles. Ok. On va aller défoncer du monde. Oh, amène-toi ici, connard. J'ai plus de vie. J'ai plus de vie. Je suis mort. Bon, du coup, je suis mort, c'est ça? C'est ça? C'est réellement ça, je suis mort? Ouais. Bon bah écoutez, bah je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode les amis. Ah oui, Day 2, donc du coup on a recommencé, ouais. Bon bah je pense qu'on va pouvoir s'arrêter là les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. Enfin, cette petite vidéo sur The Escapist Walking Dead vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Commandant Rétro. Bye tout le monde.